Mes chers élèves, mes chers amis, tout d'abord, je viens de présenter la suite de comment prendre les magies de Windows 10, Windows 7, etc. Et nous allons commencer par télécharger le programme Rafis. Donc, l'étape 1, tapez le nom ici dans la barre de recherche Google et appuyez Entrée. Le premier lien web, cliquez ici. Voilà, c'est la même chose. Cliquez Rafis pour faire le téléchargement ici. Cliquez ouvrir. Donc ici c'est les informations précises de votre payload. La première indice c'est la clé USB. La deuxièmement choisis l'image ISO. Donc sélectionnez. Voilà. Donc j'ai déjà téléchargé l'image ISO de Windows 10. La deuxième, c'est schéma de partition. Donc, utilisez MPR Master Boot. Et pour vérifier, donc, passez dans l'icône de l'ordinateur, gérer. Voilà, donc, la gestion de disque. Et ici, cliquez sur la propriété, voilà, et passez dans le volume. Donc, le type de partition, c'est le secteur de démarrage principal. Voilà. Et l'option de formatage, le nom de volume. Donc, effacez le nom au hasard et remplacez par le Windows, hein, le Windows 10. Donc le nom de volume, c'est-à-dire le nom de la clé USB. Voilà. Tâchez les options de formatage avancé. Donc soit cliquez ici, soit ici pour lire les informations précises. Donc formatage rapide, ajoutez un label étendu et une icône. Très bien. Vérifiez de mauvais blocs, donc c'est pas nécessaire. Cliquez à la fin le bouton démarrer. Voilà, donc la fenêtre, ce sont des privilèges hein, pour désactiver ou bien définir pour utiliser le même nom de l'ordinateur, etc. Donc cliquez OK. Enfin, j'espère que cette vidéo donnera un avantage complet à tous les amis qui travaillent dans le domaine de l'informatique, les élèves, les étudiants qui étudient dans les établissements, les écoles, les universités devraient profiter de cette vidéo. Et pour cela, je passe un grand salut et à notre leçon, Inch'Allah. N'hésitez pas de nous suivre. Merci.